toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, oui, on est déjà la dernière semaine de ce mois de juillet. Mais avant tout, comment allez-vous? Bien, j'espère. Voilà, nous entamons cette dernière semaine du 23 au 30 juillet 2023. Nous terminons, eh bien, ce mois avec l'oracle des nombres, n'est-ce pas? Ce bel oracle s'est entré dans la magie de la numérologie intuitive et la carte que vous aurez choisie, eh bien, vous donnera la signification du nombre, vous donnera un message, le message divinatoire, un message transformateur, des conseils. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour choisir votre carte, posez votre question et choisissez. Je vous laisse un moment pour choisir votre carte. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien j'ai piché le numéro 35, puissance mais à l'envers. Alors la signification du nombre, eh bien tout comme l'ange Michaël, cette carte est signe d'audace, de puissance et d'énergie pour faire avancer des projets qui nécessitent eh bien, une force de caractère et un courage à toute épreuve. Ce nombre 35, eh bien, il symbolise aussi le bon communicant qui sait joindre le geste à la parole. Il s'agit généralement au nom d'une certaine liberté d'être. Il cherche aussi à mettre en œuvre son pouvoir personnel afin d'affirmer la place qui lui revient. Alors ce nombre, c'est profiter des opportunités qui s'offrent à lui grâce à sa faculté d'adaptation et de communication. Alors doté d'un esprit de conquérant, il est sûr de gagner lors d'un combat mené souvent autant contre lui-même, n'est-ce pas, que contre les autres. C'est un battant qui sait se faire respecter grâce à son rayonnement magnétique. Alors, je l'ai pigé à l'envers. Attention pour certains d'entre vous, vous pourriez vous retrouver dans des situations dangereuses ou bien vous pourriez avoir des doutes sur des situations que vous vivez présentement. Donc pour cette semaine, et ce nombre 35, vu qu'il est à l'envers, peut avoir un côté sombre et destructeur qui pourrait affecter votre vie et celle évidemment de votre entourage de manière négative. Attention pour certains d'entre vous. Et en ce qui concerne ce comportement négatif, n'est-ce pas, il se pourrait que vous fassiez des tâches suspectes, c'est-à-dire en trichant, en mentant. Vous pourriez alors sombrer dans quelque chose de complètement artificiel et vraiment, vraiment destructeur pour vous. Donc, en résumé, eh bien, on vous demande d'être plus tolérant. C'est pas la peine de mentir pour arriver à vos fins. Vous allez avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et s'il vous plaît, ne soyez pas dans le mensonge, dans la tricherie, parce que ça se retournera contre vous, n'est-ce pas? Vous pouvez arriver à vos fins sans mentir et sans tricher. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à douter de votre propre pouvoir, votre pouvoir personnel, et c'est peut-être cela qui vous incite à mentir et à tricher.
Sachez qu'il va avoir de belles opportunités qui vont arriver à vous, mais attention, ne trichez pas, ne mentez pas, parce qu'il y a une justice, n'est-ce pas? Il y a la justice divine qui est là et ça peut se retourner contre vous. Le message de transformation, j'avance avec foi et détermination vers mon but. J'accomplis chaque action avec honnêteté et transparence dans un souci d'équité et d'égalité pour tous. Le succès est à ma portée et mes efforts passés seront couronnés de succès. Donc, attention à vous cette semaine pour certains d'entre vous, pour à qui évidemment ça parlera, parce qu'évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, petit triangle rouge, attention, attention cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et bien malgré tout, dans la joie, le rire, l'amour inconditionnel. Et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous, mais en douceur, n'est-ce pas? Dans une belle douceur, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien j'ai pigé la carte numéro 20 et c'est le jugement. Alors le nombre 20 symbolise un changement, une transformation, une amélioration et ce nombre amène généralement une belle évolution heureuse. Cela peut concerner une transformation mentale qui sera amenée à connaître eh bien, une sorte d'éveil spirituel ou alors l'arrivée d'une amélioration matérielle. Alors ce nombre peut aussi aider à trouver une solution à un problème qui empêche d'avancer. Les effets bénéfiques du 20 eh bien, arrivent généralement après un effort comme une sorte de récompense. Ce nombre stimule l'intuition, aide à développer le sens des responsabilités et aussi donne une certaine capacité de remise en cause. Alors, dans certains cas, le 20 peut aussi être à l'origine d'une rencontre sentimentale. Et oui, voilà, pour certains d'entre vous, vous pourriez faire une rencontre sentimentale qui sera vraiment inattendue. Donc, regardez bien autour de vous. Vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire pour cette semaine. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez présentement, pour aller vers un renouveau. Et vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner. Pardonner aux autres, mais pardonner aussi à vous. Vous pouvez pardonner à ceux qui vous ont blessé, mais peut-être que vous avez blessé aussi. Et vous ne l'avez pas fait consciemment, vous l'avez peut-être fait inconsciemment. Donc il est bon de vous pardonner, mais vous savez que pour avancer, pour continuer à bien avancer, il faut vraiment, vraiment pardonner. Alors cette belle rencontre, eh bien voilà, c'est magnifique pour certains d'entre vous. Eh bien vous allez peut-être faire une rencontre inattendue. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, peut-être trouver une solution à la problématique
que vous êtes en train de vivre, que ça soit point de vue personnel, que ça soit au point de vue professionnel, sentimental, voilà. Vous allez trouver des solutions. En tous les cas, avec cette carte de jugement, le 20, avec le nombre 20, il y a une belle transformation qui s'installe, une belle amélioration qui va suivre. Et vous avez peut-être morphé, n'est-ce pas? Et c'est une belle récompense, vraiment. Vous avez peut-être eu dur, mais voilà, vous allez être très bien récompensé. Alors, qu'est-ce qu'on vous suggère? On vous suggère de vivre une transformation spirituelle. On vous suggère de pardonner et pardonner aux autres. On vous suggère d'avancer vers une reconnaissance publique. Et on vous suggère de laisser votre intuition vous guider. Bien voilà, c'est une magnifique carte, n'est-ce pas? Le message de transformation, j'accepte de porter un regard nouveau sur ma situation. Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je fais des vœux auxquels je crois profondément. Je vais vers la reconnaissance que je mérite et m'élève vers le succès. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une magnifique semaine. Dernière semaine, et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À tout bientôt. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien, j'ai pigé la carte 38. Féminin sacré. Ce nombre 38 évoque des valeurs féminines comme la sincérité, la douceur, la sensibilité, l'intuition et une certaine sagesse qui mène souvent à des mariages heureux. Alors l'imagination, l'intuition et la créativité sont généralement très fertiles avec ce nombre 38. Sur un plan matériel, les affaires sont prospères et la réussite professionnelle favorisée. Ce nombre 38 est aussi un nombre assez chanceux, apportant de bonnes protections. Mais attention, attention à ne pas céder aux bas instincts comme la recherche effrénée de pouvoir ou de domination. Sinon, n'est-ce pas, vous pourriez connaître des changements radicaux, parfois brutaux, qui vous coûteront très 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 cher. Il peut aussi, ce nombre 38, être à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions. Il connaît souvent un franc succès dans ses relations amoureuses et dans ses affaires matérielles. Cependant, une certaine tension nerveuse ou un sentiment de supériorité peuvent se développer si ses instincts égotiques, c'est-à-dire le pouvoir, la domination, comme je l'ai dit plus haut, ne sont pas maîtrisés. S'il arrive à développer son autonomie affective en trouvant un équilibre entre ses énergies masculines et féminines, la relation amoureuse pourrait aboutir à une magnifique union heureuse. Alors, son intuition est extrêmement développée et peut le conduire à capter des messages du monde invisible. Entre parenthèses, le chamanisme, la médiumnité et pourquoi pas la canalisation. Il vous est demandé, n'est-ce pas, d'écouter votre intuition. Votre intuition, elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse
pour certains, pourrait se consolider et mener à une union durable. Il y aurait aussi une femme de bon conseil qui se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Donc, on vous demande d'écouter votre intuition. Pour d'autres, il pourrait avoir une relation amoureuse qui peut se consolider. Et puis, encore pour d'autres, il pourrait avoir une personne féminine qui est sur votre chemin et qui vous aide, qui peut vous conseiller à avoir plus clair dans la problématique que vous êtes en train de passer. Donc, on vous invite à cultiver la joie et l'harmonie, à laisser votre créativité et votre imagination s'exprimer, à rester à l'écoute de votre intuition. Vous savez que l'intuition, eh bien, a toujours raison. La première intuition que nous avons, c'est elle qui a toujours raison. Et on vous invite à savoir demander de l'aide en cas de besoin. Quelquefois, on a besoin d'avoir de l'aide. Et puis, je dis toujours qu'il y a beaucoup plus dans deux têtes que dans une, n'est-ce pas ? Peut-être que vous ne pensez pas à certaines choses et que si vous demandez maintenant de l'aide à quelqu'un, eh bien, cette personne-là, elle va voir ce que vous ne voyez pas. Donc, c'est toujours, c'est salutaire de demander, n'est-ce pas, le conseil d'une tierce personne. Et surtout ici, c'est une personne féminine, mais elle est déjà là, près de vous. Donc, écoutez-la. Le message de transformation. Je m'ouvre et m'abandonne à l'amour de l'être aimé. Je laisse ma créativité s'exprimer et je sens le succès arriver. Je fais confiance à mon intuition, et bien qui me guide à chaque fois que j'ouvre mon cœur et que j'exprime mes émotions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine dans l'amour inconditionnel, dans la tolérance, le rire, la joie. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.